Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires. Oh, ça tombe, dis donc. À tous les Sagittaires et les ascendants pour cette guidance générale du mois de novembre. Voilà, il y a des imprévus hein, quand on fait tout simplement des vidéos, mais j'ai pas envie de recommencer. Voilà. Allez, c'est parti les amis, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez bien sûr cette guidance générale du mois de novembre pour les personnes qui veulent pas rater la guidance sentimentale dès demain. Ben, je vous invite tout simplement à cliquer sur la cloche de notification. Et pour les personnes qui sont abonnées et qui adorent mon amour, mon énergie, ma présence, et ben tout simplement, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre tout simplement pour devenir membre voyageur. Voilà, vous faites tout ça pour moi, c'est énorme, c'est une gratitude. Donc la moindre des choses, puisque vous me donnez ben, tout simplement de votre temps précieux et puis que vous vous êtes abonné, ben, c'est à moi maintenant de faire l'effort de travailler pour vous. Donc voilà, je suis à votre service et je vais utiliser pour ce mois de novembre l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle de l'énergie et l'oracle des fées. C'est parti, on y va. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que vous aimez bien ben, ce contact, qu'on me voit? Des fois, je sais que j'ai eu des messages où vous m'aviez dit que vous préfériez voir les cartes et puis des fois, vous préférez me voir. Alors, je fais un petit sondage pour ce mois de novembre et puis on verra au mois de décembre si on voit mes cartes ou si on me voit encore. Ok? Allez, c'est parti. On y va. Je tousse un petit peu parce que j'ai mis de l'encens et puis on a un petit peu trop, je crois. Hop là, c'est magnifique. Ah, on a notre archange Michel, hein, l'archange Michael. Vous le savez, qui vous l'indique, l'ancrage, c'est le plus important. Hop, 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 il y a tout qui saute. Les lames veulent parler, c'est trop marrant. Ok. Donc voilà, hein, tout simplement les amis, ne vous prenez pas au sérieux, mais prenez votre vie réellement au sérieux, d'accord? Moi je suis là pour vous donner des clés et que vous prenez votre vie vraiment en main, d'accord? Il est très important ici de ne pas vous tromper sur ce que vous voulez, d'accord? La tromperie ici, quand elle sort, tout simplement, c'est d'être honnête avec vous, d'accord? Donc il est très très important pour que vous obteniez ce que vous voulez, cette victoire, ce succès que vous voulez en fait, de vous améliorer, de progresser, de devenir quelqu'un de mieux que ce que vous êtes à l'heure actuelle. Alors oui, c'est vrai, l'archange Michel ici vous indique, hein, vous savez, c'est le premier chakra sur les 7 que l'on a, vous demande tout simplement de vous ancrer davantage, de vous enraciner à notre chère mère nature et d'être vraiment pleinement présent pour recevoir les messages de l'au-delà qui vont vous permettre tout simplement de canaliser votre vie et d'avoir une vie plus cool, plus douce, de donner un sens à votre vie. Bien sûr, que de se plonger vers sa lumière, vers sa propre lumière, va vous demander des efforts, va vous demander un courage énorme d'affronter votre nouvelle vie et de nager à contre-courant. Pourquoi? Parce qu'autour de vous, votre environnement va vous indiquer tout simplement, pour voir, hein,
si vous allez continuer à croire en vos rêves ou pas. Beaucoup de personnes ont malheureusement oublié d'être audacieux et audacieuses et de vivre pleinement leurs rêves. Voilà. Cette vie, c'est ta vie. C'est toi qui dois créer ce choc. Le choc du changement est là pour t'indiquer que si tu es un artiste, une artiste, que tu aimes la musique, que tu aimes peindre, que tu es dans la création, n'oublie pas que tu es un être créateur. Peu importe ce que le monde extérieur va te dire, si à l'intérieur de toi, il y a cette envie de faire, fais-le. Au bout d'un moment, avec du temps, de la patience, tu finiras par exceller dans ton domaine et les résultats finiront par arriver. Mais sois patient. Ne tombe pas dans cette inconscience, dans cette ignorance qui te coûte cher. L'ignorance te coûte extrêmement cher dans tous les domaines de ta vie. Donc apprends, forme-toi, améliore ta vie et tu verras que une fois que tu vas sortir de cette illusion, de ce sommeil profond que beaucoup de personnes ont, ta vie finira par s'améliorer. Fais les choses que beaucoup de personnes ne font pas. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, pour arriver à faire ce que moi je fais, par exemple, si tu aimes l'inspiration, l'audace que je t'envoie en permanence, il faut augmenter ta confiance en toi, ton estime, ton amour, ta joie de vivre, ta présence. Et on s'en fiche que tu sois critiqué, que tu sois jugé, condamné, que les gens... Tu vois? Non. Tu connais tes valeurs, tu connais ta sensibilité. Tu sais ce que tu peux apporter aux autres. Fais-le! Renonce jamais à réaliser ce que tu veux réaliser dans ce monde. Beaucoup de personnes, ils vont essayer de te déstabiliser. Si tu as cet ancrage en toi, cette confiance illimitée, cette estime en toi de ne jamais, jamais abandonner, parce que l'échec n'existe pas, tu as compris, l'échec n'existe pas. Il existe si tu abandonnes. Mais si tu continues à avancer en permanence, l'échec n'est qu'une illusion, après tout. Donc, au bout d'un moment, si tu as foi en l'inconnu et que tu crois en toi et en tes capacités, rien ni personne ne peut t'arrêter. À part la faucheuse. La faucheuse, c'est la mort. Elle peut arriver à chaque instant, maintenant ou dans 40 ans. On a une vie. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on va tous finir par mourir. Est-ce que, d'ailleurs, pour toi, c'est une mort ou une délivrance? C'est à toi de me le dire, suivant ton état d'esprit. La fée du Graal te l'indique. La fertilité, le retour à la vie, la santé, les cycles de vie. Il faut que tu comprennes le cycle des saisons. Chaque mois, il y a des nouvelles saisons. Les émotions se répètent en permanence. En permanence. Donc, si tu veux obtenir ce que tu veux dans ta vie, il faut faire ce que la majorité des personnes ne font pas. Ce qu'on appelle tout simplement le choc du changement. Je suis en train de te faire prendre un déclic, de changer ta vie, de te transformer. Je suis un transformateur. Je transforme ma vie, la vie de mes enfants, de mes proches
et de ma communauté. Avec moi à mes côtés, on va transformer ta vie pour qu'elle ne soit plus aussi douloureuse qu'à l'heure actuelle. Pour que tu ne souffres beaucoup, pour que tu souffres beaucoup moins, il est temps d'agir dans ce nouveau monde. C'est aussi simple que ça. Très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retiens bien cette citation, abonne-toi, partage, clique sur la cloche de notification pour recevoir dès demain ta guidance sentimentale du mois de novembre. Ok ? Moi, je te retrouve de l'autre côté. N'hésite surtout pas à la partager à tous tes proches car elle est grandement utile. Cette guidance est grandement utile. Énormément de clés te sont dévoilées. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te retrouve dès demain. Si tu veux en savoir plus sur moi, clique en dessous dans la description. Tu peux t'offrir l'un de mes 3 livres, une formation, les services. C'est toi qui vois. Je te retrouve de l'autre côté. Ciao, prends soin de toi.